Et bonjour à toutes et à tous. On se retrouve sur Monster Truck Championship. Alors bonjour le monde, vous allez le voir à l'envers et par transparence. Donc on est bien, comme vous le voyez, sur la version Series X. Aujourd'hui, je vous avais dit que je vous en parlerai, mais excusez-moi, je vous en parle en retard par rapport à la date de sortie déjà parce que j'ai eu, comme je vous l'avais dit à l'époque, des problèmes avec Micromania et que finalement j'ai annulé ma commande Micromania parce qu'ils étaient incapables de fournir le jeu et je l'ai acheté ailleurs. Et ensuite parce que je vous avais dit que je voulais pas vous faire une découverte. Mais vous en parler un peu plus en profondeur. Donc j'ai pas fini le jeu, mais je vais pouvoir vous en parler un peu plus en profondeur. Donc les jeux de Monster Trucks, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas souvent. On a les Monster Jam comme le Steel Titan 2, je crois qu'il s'appelle, qui est sorti là. Sur PS4, One, Switch, PC, qui a pas l'air très beau, tout ça, et qui a l'air d'être un jeu vraiment arcade et fun et qui a rien de réaliste. Et donc on a ce jeu qui est arrivé sur PS4, One, PC en fin 2020, je crois en octobre-novembre, et qui ressort aujourd'hui sur PS5 et Series X. Là, au mois de mars, il est sorti le 11 mars, il me semble. Donc, avec une version 4K, 60 images secondes, avec le son spatial sur la version Series X, les gâchettes à impulsion, parce que faut savoir qu'il y a des gâchettes, ils avaient mis ça sur la Xbox One, déjà des petits moteurs de vibration dans les gâchettes, donc il y a des gâchettes à impulsion sur la manette Xbox One. Je ne sais pas si les gâchettes de la PS5, elles sont exploitées, mais je pense que si, s'ils ont utilisé les gâchettes à impulsion, je pense que si. Et il est compatible, c'est marqué sur la boîte, avec des volants. Il y a un multijoueur en ligne de 2 à 8, mais par contre, il n'y a pas de multi en local, ça c'est dommage. Donc on a un menu déjà carrière, avec donc, bah, tous les événements. On a un menu entraînement. Alors, je les ai tous validés. Et je vous conseille de le faire dès le début. Parce que déjà, une des bases du gameplay, surtout en course, c'est que vous avez le stick gauche pour vous diriger, normalement, comme dans n'importe quel jeu de voiture, mais vous avez aussi le stick droit. Parce que sur ce genre d'engin, et ça je ne le savais pas, n'étant pas forcément fan de la discipline, les roues avant sont directrices, mais les roues arrière aussi. Et ça fait pas comme certaines voitures aujourd'hui où les roues arrière suivent les roues avant. Non, en fait, l'essieu avant et arrière sont. Les roues sont directrices, mais de manière totalement indépendante. Donc vous avez le stick gauche pour les roues avant, le stick droit pour les roues arrière. Donc c'est un des trucs à savoir. Et donc bah, les entraînements, tout ça, ça vous permet d'apprendre toutes les bases du gameplay pour faire des figures, pour faire pas mal de choses. Vous avez ensuite le garage. On a les performances, donc moteur, frein, transmission, pneus, suspension. Vous voyez qu'on débloque des choses et après, une fois débloqué. Bon, ça vous les débloquez, par contre, il faut les acheter en plus. C'est pas débloqué automatiquement. Il faut les acheter. Donc, pour améliorer votre véhicule, vous avez ensuite l'apparence, donc les carrosseries, les jantes, l'échappement. Vous pouvez voilà, mettre des fixations à l'avant, enfin des trucs devant. Vous avez fixation supérieure, pareil, vous pouvez mettre des trucs un peu délire. Et fixation arrière. Vous avez ensuite peinture, donc des motifs que vous pouvez mettre. Vous avez donc choisir des peintures mates métallisées nacrées, les couleurs, toutes les couleurs en fait d'un peu tous les éléments de la voiture, vous pouvez les modifier. Vous avez encore voilà couleur des jantes, couleur du châssis, couleur de. Voilà, vous pouvez faire plein de choses. Vous avez des autocollants que vous pouvez ajouter et vous avez un truc qui s'appelle tuning et ça, c'est des réglages. Pour ceux. Excusez-moi, qui voudraient régler un peu plus en profondeur leur voiture, vous avez le réglage pour les modes où vous devez faire des cascades et de la destruction, et quand vous devez faire de la course. Moi j'ai touché un petit peu pour la cascade, mais j'ai pas trop touché encore pour les courses. Donc voilà, en termes de garage, ce que vous avez. Ensuite, vous avez une gestion des sponsors et de votre équipe. Donc dans votre équipe, vous voyez, moi par exemple, j'ai pris lui. Qui me permet, c'est un spécialiste moteur qui me permet d'avoir 70 Nm de plus sur mon moteur. Par contre, il me fait perdre 10% de revenus. À côté, j'ai pris celui-là,
qui me fait gagner 4% de revenus en plus et qui me réduit les frais d'inscription aux événements de 10%. Mais vous avez plein de mecs différents. Il y a un ingénieur là qui lui permettrait de réduire le temps de vitesse, mais qui me coûterait encore 5% de revenus. Lui, c'est un manager qui me ramènerait 5% de revenus. Enfin, vous voyez, on a vraiment une équipe après à gérer. Il y a des frais d'embauche, évidemment. Et les sponsors, vous voyez. En fait, les sponsors, par exemple, lui, il vous demande de terminer un événement. Il vous donne 3 300 $ et il vous débloque une pièce du garage. Et évidemment, là, celui-là, c'est 33 000, par exemple, sauf qu'il y a plus de choses à faire, c'est plus compliqué. Mais donc, voilà, ces sponsors, c'est à vous de signer avec eux pour ensuite essayer de faire les défis des sponsors pour gagner cet argent bonus. Ensuite, vous avez le rang. Donc, je suis deuxième au classement de la Ligue nationale pour l'instant. J'ai eu quelques récompenses, mais j'ai aussi eu quelques coups de réparation. Excusez-moi, de réparation. J'ai terminé 6 événements. J'en ai gagné qu'un seul. Il n'y en a qu'un seul où j'ai vraiment fini premier de l'événement en lui-même. Sinon, j'ai fait deuxième, troisième. Enfin, voilà. Ensuite, vous avez le jeu rapide. Alors, les courses, le contre-la-montre. Le drag, puisqu'on peut faire des courses de drag, le freestyle et la destruction. Voilà en gros ce qui vous attend dans ce jeu en termes d'épreuves. Il n'y a pas de licence officielle par rapport au Monster Truck en vrai. Donc les lieux, alors pour les courses, voilà, on a quelques lieux, il n'y en a pas énormément des lieux. Donc vous allez vite faire le tour en termes de circuit. C'est un petit peu dommage. Il y a le multi, comme je vous disais, et donc les options. Ensuite, la carrière, elle se présente comme ça. Donc, Ligue nationale, Ligue professionnelle, Ligue majeure, avec des événements à faire. Ces événements, vous voyez qu'il y a plusieurs épreuves à chaque fois, mais il y a des frais d'inscription. Donc, là, j'ai plus assez d'argent pour l'instant. Donc, je ne sais pas comment je vais faire. Mais je vais refaire celui-là, puisqu'il a zéro frais d'inscription. Et puis, je vais essayer de gagner de l'argent. Voilà, on va aller en jeu rapide. On va faire une course. Il y en avait un qui était sympa. C'est lui. On va faire qu'un tour. Cet adversaire moyen. Les réinitialisations, en fait, ça c'est. Il n'y a pas de. Comment dire, de rewind dans le jeu quand vous vous plantez. Mais il y a le bouton, vous savez, comme il y a dans tous les jeux, quand vous êtes coincé dans le décor, par exemple, vous appuyez sur le bouton, ça vous stoppe et ça vous remet au milieu de la piste. Et ben ça, c'est limité. Moi, c'est limité à 6 dans la carrière, donc il n'y a pas de rewind, et même ça, c'est limité à 6. Bon, on va laisser comme ça. On va laisser comme ça, dégâts complets. Après, il y a quelques réglages du genre dans la difficulté, l'ABS. Oui. L'ABS ou des choses comme ça. Le son, il est fort dans l'oreillette là. Ici à Orlando, en Floride. Je vais me l'enlever un petit peu de l'oreille. Sans aucun doute l'une des courses les Je vais la plus mettre juste comme ça. Intéressantes de cette saison. Alors préparez-vous à une bonne dose de divertissement. Je vous laisse un petit peu, voilà, ça vous permet de voir à quoi ça ressemble visuellement. Bon, c'est pas. Vous voyez, le public bouge pas trop, voilà, c'est pas extraordinaire quand on regarde autour et tout. Mais bon, globalement, c'est. Voilà, on n'est pas. Alors là, vous voyez, il y a une petite jauge verte. Il faut essayer de se maintenir dans la jauge verte au départ pour avoir le truc que j'ai eu bon départ. Voilà, si vous ne vous maintenez pas dans la jauge verte et que vous êtes dans la zone rouge, vous allez faire un mauvais départ, vous allez perdre du temps. Et donc, comme je vous disais, vous avez le stick gauche pour diriger les roues avant et le stick droit pour diriger les roues arrière, les essieux arrière en gros. Il y a plusieurs vues. Une vue. Ouh là là. Une vue un peu plus éloignée. Une vue, voilà, on va appeler ça la vue route. Hein. Une vue route. Une vue intérieure. Donc ça va faire plaisir à pas mal de gens. Alors vous savez que moi, en général, je préfère la vue capot ou les vues intérieures un peu plus rapprochées sur le tableau de bord. Mais avec ça, j'ai un petit peu de mal. Donc pour l'instant, je suis resté
Restez comme ça ou en vue route. Bon, regardez pas ma performance. Hein. Bon, après oui, visuellement c'est pas extraordinaire, mais il y a quelques effets de lumière qui sont assez sympas. Il y a les effets de poussière, les dégâts, les voitures qui se salissent, voilà, les petits effets de feu d'artifice comme ça. On est en 4K, 60 images secondes. Donc c'est le principal, j'ai envie de dire, que ce soit fluide pour un jeu comme ça. Après oui, effectivement, c'est pas. On est sur une nouvelle génération. Bon, on n'a pas vraiment l'impression, si ce n'est voilà pour les temps de chargement par exemple. On va pas faire contre la montre, hein, on s'en fout un peu. Hop. Oui, on va se faire. Je vais vous montrer un petit peu toutes les catégories. Aujourd'hui, Kilgore, dans Bah, le je vous laisse encore une fois regarder un petit peu la présentation du circuit. Comme vous l'entendez, il y a des voix en française. Au début, en plus, il y a des voix qui vous expliquent un peu tout dans les menus. Un peu comme dans les jeux Codemaster. Donc c'est assez... assez bien foutu. Là, il faut maintenir le frein. Essayez de se maintenir là. Et hop, lâcher au bon moment. Et vous voyez déjà, j'étais dans la zone rouge au moment de démarrer. Donc... Donc je me suis fait avoir comme ça, j'ai fait un mauvais départ. Bon, ça m'a pas empêché d'arriver au bout, premier. Et donc voilà. Et ça, en général, il y a plusieurs étapes. On va essayer de faire ça bien cette fois. Voilà. Et là, en plus, il faut lâcher le frein au bon moment aussi. Hein. Ça demande un petit peu d'entraînement. Mais pour les fans de la discipline, je pense que c'est un bon jeu, parce que c'est, contrairement au Monster Jam, je sais pas ce que les gens en pensent en général. Ça a pas l'air fou. Et puis surtout, c'est très arcade et tout, je suis pas sûr que ça corresponde vraiment aux fans de la discipline. Là, on est sur quelque chose qui est quand même un peu plus exigeant, rien que ça, ou rien que les deux essieux. Mais merde. Bon bah là, voilà, je suis foutu. Les deux essieux à diriger. À contrôler. Oh là 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 là, vous voyez, quand ça part, c'est mort. Moi je gagnerai pas la finale, hein, il est déjà arrivé. C'est dommage. Là c'est un jeu qui demande de faire les tutos au début, les entraînements, et qui demande un petit peu plus de maîtrise. Avec deuxième, bon, on a les temps de chargement très rapides aussi, forcément. Allez, on va se faire un petit freestyle et puis on s'arrêtera là. Je vais même pas vous faire le dernier destruction, parce qu'en gros c'est le même principe que le freestyle. Un peu, vous êtes dans une arène et puis bah il faut détruire des trucs. Là c'est une arène dans laquelle vous pouvez détruire et faire des figures. Après, il y a plein de moyens de. Ah dommage. Attendez. Après il y a plein de moyens là de faire des figures. Ah, il me l'a pas compté, salaud. Il m'a compté le tonneau, c'est bien. Dommage. Hop. Je voulais essayer, il y a un truc à faire. Quand on est bloqué sur le côté. Un petit donut, voilà, ça sert à ça aussi de pouvoir. De pouvoir contrôler les deux essieux, ça sert aussi à faire des trucs comme ça. Hop. Après au niveau du son, je trouve ça pas mal aussi. Il y a des petites musiques assez sympas. Voilà, vous voyez des petites
un petit changement de caméra, des choses comme ça. Donc voilà. Bon, dans l'ensemble, c'est un contenu qui est pas énorme. Il n'y a pas, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de lieux à chaque fois, pas beaucoup de circuits, il n'y a pas de licence officielle. Mais en termes de gameplay, tout ça demande quand même un peu plus de pratique et c'est un peu plus compliqué que les jeux Monster Jam totalement arcade. Et je pense que ça plaira quand même plus aux fans de la discipline. Maintenant, c'est vendu que 39 euros, hein, quand même. Et sur Amazon, je l'ai eu à 30, 31, 32. Donc je pense qu'on va vite le trouver à 20, 25 euros. Il y aura peut-être ensuite des extensions, des petits trucs, même si ça m'étonnerait qu'ils fassent grand-chose sur un jeu qui vend de ce prix-là. Mais peut-être qu'ils vont rajouter un petit peu de contenu, peut-être qu'ils feront des petits DLC, des petits trucs pas trop chers. Et éventuellement, moi, je suis jamais contre. En fait, j'ai jamais été totalement contre à partir du moment où ça apporte vraiment quelque chose, une extension, un DLC payant. Là où je suis contre, c'est pour vous faire payer des voitures qui auraient dû être dans le jeu, ou des costumes, ou des machins dans certains jeux. Je suis totalement contre. Après, si ça ramène un petit peu de contenu, éventuellement, dans quelques mois, ou quoi, et que c'est pas vendu trop cher, évidemment. Pour un jeu à 39 euros, s'ils vous font deux petits DLC à 5 euros chacun qui rajoutent des circuits et quelques épreuves, bon, bah ça fera un jeu à 50 euros. Pourquoi pas? Écoutez, tout ce que je peux vous dire, c'est que moi-même, à la base, n'étant pas forcément fan de la discipline, j'ai regardé un petit peu par curiosité, du coup, pour voir, avant d'acheter et tout. Moi, c'est assez marrant. En plus, c'est plutôt bien. Je suis assez content que dans une discipline comme celle-là, il y a des nanas qui soient assez connues et tout. C'est plutôt cool parce qu'en général, ce genre de discipline, c'est beaucoup des hommes. Bah écoutez, si vous êtes vraiment fan de la discipline, pourquoi pas? Voilà, ce sera pas le jeu de l'année, ça c'est clair. Mais je pense que c'est mieux que le concurrent actuel qui vient de sortir. Et puis là, vous avez l'avantage d'avoir une version Xbox Series X et PS5 si vous le voulez. Même si vous l'avez vu, c'est pas une claque visuelle évidemment, mais c'est toujours un peu mieux encore que l'autre version. Et puis c'est mieux que le Monster Jam Steel Titan, ça c'est clair et net. Donc voilà, je vous remercie, je vous dis à la prochaine, salut à toutes et à tous.